Ciao tout le monde, c'est Jarclair, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est l'épisode numéro 8 de mon let's play sur Sif les amis. J'espère que vous allez super bien. Comme vous pouvez le voir, j'ai investi dans un nouveau matériel, j'ai juste acheté un nouveau casque. Et j'ai acheté aussi un ventilateur et un néon pour me faire un petit style dans mon PC. Je me suis fait un petit kiff pour pas très cher. Vraiment sur LDLC, on va dire le tout, le casque, le néon et le ventilateur, j'ai dû en avoir pour 74€. Donc c'est vraiment, je trouve que c'est un prix assez noble en ce qui concerne pourtant la qualité du matériel. Donc voilà. Sinon écoutez les amis, bah let's go, rappelez-vous l'épisode 7, je m'étais littéralement chié dessus au moment de rentrer dans cet asile, dont le fameux moment où j'avais regardé dans la serrure et il y avait le petit œil qui est comme ça, là. Et il y avait quelqu'un qui était arrivé comme ça et je m'étais littéralement fait caca dessus. Donc on va voir. On va voir qu'est-ce qu'on va devoir faire. Obtenir des infos à propos d'Erin. Alors j'ai plusieurs amis donc qui sont en train de jouer présentement à Sif. Ah je m'en rappelle. Ah là là, ça me remet un petit peu la pression. C'est bon, c'est ces petits moments là comme ça. Oula, d'accord, ok. Faut pas être. Ok, je vous avoue, ça me fait toujours encore un petit peu flipper. J'espère juste que le volume du micro sera assez fort par rapport au son du jeu. Et je me rappelle qu'on tournait un petit peu en rond. Passage couvert, asile de Moira. Moira. Ça, ce genre de chaise, ça fait pas trop flipper. Non, c'est juste hyper glauque. Ok, je sais pas où il faut aller. On va en profiter pour voler quelques trucs quand même au passage. Ça, ouais, ça je prends. Là-dedans, il y aura. Puis j'ai la flemme un peu de fouiller tout le bureau. Alors, c'est vrai qu'au début, quand je commençais ce let's play, je voulais tout, je fouillais tout. Et puis, bah, je me dis quand même qu'on doit avancer un minimum, qu'on a du temps. D'ailleurs, en parlant de temps. Vous savez que je suis spécialiste pour oublier de mettre mon petit chrono. Alors vous m'excusez 5 minutes les amis. Voilà. Donc ça doit faire à peu près 5 minutes, 3 minutes qu'on doit être en vidéo. Donc voilà. Alors, tac tac tac. Bon apparemment ça a l'air d'être par là. J'espère que je suis dans la bonne direction. Pavillon des femmes, ouais. Mais en fait je dois passer là. Et apparemment... je ne peux pas. Donc il va falloir que je contourne cette chose. Que j'essaie d'arriver par là. De toute façon ça tourne autour de ça là. Et je me demande... ah. Merde quoi. Ah attendez, j'ai peut-être trouvé un truc. Ouais. J'avance. Très bien. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Histoire 1, nouveau document. Ah j'ai jamais eu ces trucs là encore. Mais je suis pas un connard moi. Ah non, il y avait un passage. Et je me suis... j'ai complètement esquinté le perso. Clé manquante. Et ben je me pose la question. Ah! Ah ah! Peut-être qu'il y a quelque chose là-haut. Mais non, n'importe quoi. Je retourne à l'endroit où j'étais. Ah, voilà un document. Alors, récupérer la clé dans le pavillon des hommes. Ah, et ben voilà, on avance. Enfin, je sais pas où c'est le pavillon des hommes, mais on verra bien. Pavillon de Moira, d'accord. J'aimerais bien atterrir dans le pavillon des hommes. Ça m'a rassuré, on va dire. Ah bah voilà, j'y suis. J'y suis, mais je ne peux pas y aller. Mon dieu, comme c'est problématique. Alors peut-être qu'on a quelque chose en passant par ici, je ne sais pas. Sûrement, j'espère. Qu'est-ce qu'on a ici? Flèche grappin, très bien. Ça m'évitera d'en acheter. Alors, ça descend encore un peu plus bas.
Heureusement. Ah oui, mais c'est un truc de ouf, je trouve plein de machins alors que ça j'en avais jamais trouvé avant. Soit il n'y en avait pas avant. Ok! Non, 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 mais moi je déteste ces trucs-là. Vous savez que la dernière fois que j'ai regardé dans une serrure, ça s'est très mal passé. Donc on va éviter de regarder dans les serrures. Maintenant, je préfère y aller de face et me faire démonter ou avoir peur. Mais plutôt que les serrures ou... Mais putain, comment on rentre? Ah, mais je crois que la porte là, elle s'ouvre. Mais je suis pas sûr. Mais oui, elle s'ouvre. Je suis bête, moi, quoi. Ok. C'est vrai que moi je préfère y aller directement de face parce que comme ça là on est là on fait mon Dieu qu'est-ce qui va se passer et tout machin et moi je fouille les bureaux on sait jamais il faut que je trouve un truc portrait de poche putain génial là-haut truc de ouf ah non d'accord non j'ai entendu du bruit en fait et je me demandais ce qui pouvait bien non en fait j'ai vraiment envie de descendre. Parce que là, je suis dans le pavillon des hommes et je peux rien faire. Donc c'est un petit peu chiant. Bon bref, je pense pas qu'il y ait grand chose ici. On va remonter. J'ai l'impression un peu de tourner en rond. Depuis la fin du dernier épisode ici. Parce que au moment où j'allais attaquer l'épisode, je me suis dit putain, c'est vrai que je suis bloqué. C'est vrai que je galère un petit peu à trouver les différents endroits où aller. Et c'est dommage qu'on n'ait pas une sorte d'aide comme on avait récemment, enfin récemment, il y a à peu près bientôt un mois, j'avais fini Bioshock Infinite, qui est un très bon jeu d'ailleurs au passage, et il y avait une touche qui nous permettait en gros de nous situer, on va aller par là, hein, qui nous permettait en gros de nous situer, qui nous indiquait l'endroit où aller, c'était un petit peu plus, on va dire c'était un peu moins la galère. Peut-être qu'on a des choses ici, je sais pas, je repasse là, voilà, j'avais oublié ça, tac, on trouve des choses. Non, pas là. Pas là, pas là, pas là. Donc vous voyez que la qualité du micro, c'est pas du tout la même. Enfin, c'est pas la qualité, pardon, mais le son n'est pas le même. C'est un petit peu plus, je sais pas comment vous dire, pas moins net, parce que je trouve que honnêtement, c'est vraiment un bon micro. De ce qu'on m'a dit et parce que je me suis quand même pas mal renseigné avant, on m'a vraiment dit que c'était un bon micro, très confortable, ça par contre c'est vraiment vrai, vraiment très très confortable. Après voilà je veux dire ça fait vraiment peu longtemps que je l'ai, ça doit faire une semaine donc je verrai à peu près comment faire. Et ça m'énerve parce que je commence à être bloqué là, à tourner un petit peu en rond et j'aime pas du tout ça. Que faire? Que faire, que faire, que faire lorsque l'on est bloqué? Pas grand chose, les amis, si ce n'est. Il faut que je trouve cette clé, à mon avis. Peut-être, y a pas des. Peut-être qu'en passant en mode. Comme ceci, je pourrais peut-être. Peut-être que ça va m'éclaircir ou. Ou m'aider à avancer, on sait jamais, les amis. Allez, on peut toujours essayer. Ah, d'accord, très bien. Et ben voilà, vous voyez, je l'avais vraiment pas vu. Je l'avais pas vu, ce putain de tuyau là. On va le faire tourner. Ah bah voilà. Très bien. Voilà, très bien. Je l'avais vraiment pas vu. Enfin, on avance. Il serait peut-être temps, au bout de 10 minutes, qu'on avance. Et c'est parti, on continue. On arrive dans le pavillon des hommes, n'est-ce pas? Nous avons ici un bouquin. Il faudra voler au voleur. D'accord. On va éviter de regarder ce qu'il y a dans les. Crocheter serrure. Très bien. Oh! What is that? Motherfucker! Vous avez entendu aussi, genre, l'espèce de rugissement? Qui est caché doit être dévoilé. Pile l'endroit où je voulais pas aller quoi. Y a quelqu'un ici? Alors, tac, tac. Alors, veuillez m'excuser pour ce petit contretemps, les amis, malheureusement. Enfin, malheureusement, non, c'est tout à fait normal. C'était ma mère qui m'avait appelé pour me.
prendre des nouvelles, savoir comment ça allait. Et résultat, je suis complètement perdu, les amis. J'ai trouvé ceci. Et j'ai un truc à... Ah, mais voilà, d'accord. La... Voilà, hey, et ça. Oh, voilà, au pavillon des femmes, exactement. Alors, accéder au pavillon des femmes. Mais vous savez quoi, honnêtement, je la sens vraiment pas cette suite. Oh! Oh! C'est pas la même. What? Y avait ça au. À l'aller? Qui c'est qui est passé là, là? Oh, ça commence à devenir hyper glauque, les amis. Ah là là, c'est sympathique. Ok. Je sens que je vais apprécier de plus en plus ce jeu. Hein? Ça va être sympa. Vais vous dire, mais mon Dieu. Oh là là. Ça a rien à voir. J'ai l'impression de découvrir un autre jeu en fait. Moi je ferme. Ah, d'accord. Non mais j'ai en fait j'ai l'impression d'entendre des bruits, il va me rendre malade ce jeu. Ah, salut toi. Qui es-tu? Oh. Mais quand je vous dis que j'ai l'impression de découvrir un autre jeu, c'est clairement ça parce que. Bah voilà, super, il est plus là. Parce que ça a rien à voir avec ce qui se passait. Oh là 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 là. Ça a rien à voir avec ce qui se passait au tout début. Ok, il y a un ballon qui passe là, c'est sympa. Oh mon Dieu, my God, on est en train de passer dans un. Ah la putain de sa maman! Excusez-moi. Oh là 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 qu'est-ce que c'est que ce bled? Là où il y a... Et c'est. C'est vraiment. Non, moi je crochète pas ça. Bon, allez, on s'en fout au pire. Allez, c'est bon là. On y va. On y va. On y va. Ah ok, d'accord. Non, mais tout ça pour une tasse de thé quoi. Arrêtez de se foutre de la gueule. On y va. Allez, y'a rien. C'est le mec qui se dit y'a rien pour se rassurer alors qu'en fait ça se trouve y'a un putain de machin qui m'attend derrière. Ah putain de sa mère! Oh Gollum! Oh mon Dieu! Gollum est parmi nous! Une fois de plus! Et super, je perds de la vie. What is the fucking joke, motherfucker? Oh! Ouh. Oh les amis, je vous jure. Mais c'est un truc de fou. C'est ça en même temps. Je pense que c'est ça que vous attendez. Peut-être. C'est qu'il se passe des choses. Je vais arrêter d'aller fouiller à perpète. Moi je pense que cette partie-là de du let's play se fera 2 jours. Hein. Oh non, encore des portes, machin. Je suis sûr il y a un truc là derrière, mais je le sens pas. Je le sens pas. Je le sens pas du tout, les amis. Non, 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 non. Ah bah des douches, super. Ah non, 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 non. Ah non, 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 non. Il y avait une bête là. Mais alors ça, mais alors ça. Mais je suis un con. Oh, une pièce d'or. Ouh, trop bien, on va bien se marrer. Mais honnêtement, vous savez quoi? J'ai tellement envie que les gens qui n'ont pas vu ce let's play ou qui connaissent pas le jeu, parce qu'il n'y a pas que moi qui fais des let's play sur le jeu, Dieu merci.
vois à quel point ça fait quand même assez peur. Non, je rigole. Non, ça. Honnêtement, c'est. On va dire que c'est un jeu qui. Qui est pas mal. Ah, ben voilà, elle est passée, elle m'a laissé ça. Sympa. Ah! Ils se sont tournés les trucs là! Ah, c'est pas bien de faire ça, hein! Putain, j'en transpire. Oh, un mot. Vous avez. Oh! On va se calmer là, hein! Il y a des cadavres! What? 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 Quoi? Non mais c'est moi ou le sang a. J'ai jamais eu aussi peur. Non quand même, faut pas abuser. Non non non, mais moi j'aime pas. Hein. J'étais bien moi dans ma petite ville là. Inventaire plein. C'est quoi la touche de l'inventaire? Le mec, je sais pas combien de fois qu'il joue au jeu, il connaît toujours pas la touche de l'inventaire. Inventaire. Non, y'a pas. Y'a pas, y'a pas, y'a pas. Non. Parce qu'il y a peut-être un machin à faire avec ça. Putain! Non, 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 mais non! Vous savez, il y a des gens, ils aiment bien les jeux et tout, quoi. Mais là, là, ça va pas! Là, ça va pas aller, là! Ça va pas aller. Putain, mais j'ai rien fait. Voilà, je voulais faire un let's play sympa et tout. Et maintenant, on casse mes trucs. Oh non, s'il y a des trucs pour se cacher, c'est que c'est pas bon. C'est qu'un truc. Encore là, de nouveau. Putain, mais. Pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous avez fait un jeu comme ça là? On va se dire, on va faire flipper les gens là. Putain. Allez, salut toi là-bas. Tu me fais un peu peur quand même parce que voilà, t'es pas censé être là. Et finalement, t'es là. Là, il y a du feu, il y a des choses. On peut pas fermer la porte? Non, bah non, on peut pas. Comme ça, s'il y a un machin qui arrive, on peut pas l'esquiver. Hein? Bravo. Moi, j'ai rien fait pour faire ça. Moi, au début, j'étais un mec sympa. Je voulais comme ça arriver. Faire un truc joli, sympa, un petit let's play, parce que voilà, j'en ai jamais vraiment fait sur ma chaîne, et bien sûr, je tombe sur un jeu où passer un moment, tu te chies complètement dessus. Voilà, tu vas rentrer dans une porte, tu sais pas ce qu'il y a derrière, la chambre elle est super sombre, donc tu rentres. Donc il y a un mot, logiquement, si tu crochettes la serrure, c'est qu'il y a un truc. On dirait que je suis en train de mixer en fait. La dernière fois que j'ai pris un miroir, il s'est passé un truc chelou derrière. Ah mais je ressors depuis l'épisode 7 là. Je sors d'enregistrement. Enfin je sors. J'arrête l'enregistrement. Je transpire. Tellement je. Voilà quoi. Pourquoi je reviens là? Putain de merde, il faut tout ouvrir. Ah ouais? Ah ok, bah merci, ça tombe bien, je voulais sortir ce soir, je savais pas quel temps il allait faire. Donc merci de me renseigner, si le vent en plus il est frais, il va falloir bien s'habiller. Donc elle, je l'ai vu, elle est partie là-bas.
Oh, je vous jure, c'est horrible. L'atmosphère est tellement pesante que moi je me casse. Mais je peux pas. Il y a des handicapés qui me bloquent. Ah, il y a une fleur. Je transpire, les amis. Je suis transpiration. Bon, j'ai tout ouvert, hein, comme ça on aère un petit peu, voilà. Ah, mais je peux encore descendre. Ah non, mais je suis remonté à. Ah, d'accord. Voilà, en plus on se perd. Je suis arrivé de là-bas. J'ai tourné la tête, elle était là-bas. Seulement, je dois aller là. Comment faut faire? Eh, y a quoi là? Un feu de camp? Eh, moi aussi, je veux des guimauves. En plus, y a un petit truc en or et tout. Mais qu'est-ce que je vais faire? Non, je suis déjà allé là. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Attendez, déjà on va essayer de. Déjà on va sauvegarder. Ok, y a pas. On sauvegardera en fin d'épisode. Je veux dire, après, voilà, j'ai tout fait. En bas, je suis déjà allé. Puisque j'y remonte. Et là, le fait de trouver des choses, ça ne m'a pas servi à grand-chose. Donc, que dois-je faire? Réponse 1. Ah, ouvrir ces portes. Ah! Eh non. Non, mais c'est pas bien de faire ça. Y a plein de fleurs, hein. C'est cool. Non! Ah putain, il y a ces serrures de merde là. Pourquoi il veut pas? Oh! Pourquoi tu regardes forcément en bas, toi? Je sais pas si. Bon. Ma souris déconne-t-elle? Attendez, on va ouvrir ça. Voilà. J'adore. Oh, trop de skill, ma gueule. J'ouvre la porte à distance. Ouais, une fourchette. Comme ça, si je veux manger, si j'ai un petit creux. Non. Mais pourquoi faut tout le temps crocheter là? Ça veut dire qu'il y a forcément un truc derrière. Ah, putain de sa mère! Pourquoi il est ressorti là? Eh, c'est pas du game, hein. On avait. Vas-y, là, ouvre la porte, oh, héberge-moi. Non, mais là, c'est trop un truc de ouf, quoi. Allez, mais pourquoi tu regardes pas? Ça devient relativement chiant quand même. En plus, c'est obligé qu'il y ait un truc là. Bon, bref, on va aller voir là.
Mais du coup, ça m'a. Non! Oh my god, what that fucking skill! Cool! Ah, un répertoire! Un répertoire, un squelette. Ouh là là! Ça m'a l'air hyper joyeux ici! Et enfin, The Last One! I could have told them you were trouble, but what did you do? Show me. Ok, allez dans l'aile du centre d'entraînement. De traitement. Et je sors comment? Je remonte là-haut? D'accord. Ah, attendez. Et là, il y avait un truc là. Vous savez, le fameux endroit où j'ai pas pu accéder? Parce que je me suis fait refoul. En vrai, je suis sûr que c'était un videur de boîte, le mec. Et il a pas voulu que je rentre. Donc, du coup, il a dit hop, 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 hop! Monsieur là! Je veux pas de vous ici, hein. Ah, d'accord, ok, bah merci, hein. Je sais pas qui tu es. Merci. Allez, vas-y, c'est par là. La partie. Non? D'accord, ok. Bon. Bah, c'était sympa, hein, ma foi. Ah merde, je peux pas prendre de fleurs, je voulais tellement lui en offrir une. Peut-être que c'est ça qu'elle veut. Non, mais ça, c'est. Ça sent trop le traquenard, ça, tu vois. Le truc où tu te dis, si j'y vais vraiment, je peux à n'importe quel moment me prendre déjà une poutre sur la gueule. Et éventuellement, je veux dire, faire une crise cardiaque. Ouais. Ok, après voilà, il faut faire des choix dans la vie, il faut éventuellement se consulter, bah, si les gens ils sont venus là pour, mais apparemment ça a pas bien marché. Bon là on peut pas rentrer, là on peut pas rentrer, au moins c'est clair. Mais je suis sûr que là-bas il va se passer un truc. Bah oui, voilà. Ah non, bah on peut pas non plus. Alors des fois il y a peut-être des trucs. Mais des fois en fait on peut tout simplement ouvrir ici, ouais. What Zabi, je le sens. Ah putain d'oiseau de merde! Pirouette, cacahuète, il était un petit navire, des oiseaux, c'est magnifique. Allez, allez, nananana, la 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 la. Je me chie complètement dessus. Pirouette, cacahuète, voilà, vous voulez des épisodes animés? En fait, il faut que j'aie peur. Ok, cool. Putain, yes, si j'avais pas trouvé cette loupe, je serais dans la merde. Oh bah non, mais les gars, je vous dirai après, voilà, ça reste. Oh non, mais ça sent, mais putain, mais j'aime pas ces choses-là. C'est quoi votre but dans la vie, bordel de merde? Y'a un truc. Ouais, mais non, mais toi je vais t'éviter parce que tu me fais quand même un peu flipper. Après, on peut aller éventuellement voir les autres ce que ça donne. Et si j'appuie là, ça fait quoi? Yo bro. Oh my god. Je sais. Ils me font du mal. Toute cette souffrance. D'accord. C'est con ça. À quoi servent ces fucking boutons? J'en sais rien. Oh, what the fuck, bro? Moi, je me bats. Non, c'est mort, je regarde. Mais en fait, on est tenté. L'être humain est con! Oh sa mère le chibre! Ça va vieux chauve? J'ai rien contre les chauves. Ah hein. Oh, faut falloir aller là-bas et tout. Général, entrez dans la salle 3F. Ouais, ok. Ah non.
Oh là là. Mais il y avait quoi avant ici? Putain, mais sérieux, les asiles de l'époque, mais c'est ça ressemble plutôt à des camps d'extermination, quoi. Là, il y a un mec, c'est obligé, putain. Mais non, mais j'aime pas ces trucs là. Les grilles, elles doivent... Voilà. Je m'en bats les couilles, je trace! Du coup, ça a fermé le... Je prends ça. Prends juste ça. On va pas s'énerver. Je suis pas là pour que ça parte en cacahuète. Oh là là. Il y a un truc glauque qui arrive là, vite, crochette! Putain de sa mère! Oh putain. J'aime pas ces endroits, putain. Ça limite, ça me rassure quoi, ça me coupe un peu du... Ah, salut. Oh. Don't show him you're scared. Don't let him see you lose control. I wanted to stop him. I wanted to save myself, but they won't let me wake up. I need the primal out of the girl now, but do not let her die. No matter the cost. You understand the fear, don't you, Garrett? The fear of being trapped, of being used. Quickly! She's corrupting it! See? Oh, I ruin everything. Non. It's no good. I'll take her back down to the prison level. I thought you died. But it was worse. You did steal the primal that night. Oh là là, en plus il y a des gens qui vont me taper. Like I'm going even deeper into this hole. Voilà. Ah mais j'avais qu'une envie, c'est de les défoncer, de... Ah. Putain. Bon bah au moins il y a des gens avec moi. Ah, c'est chaud. Ça reste quand même assez chaud, hein, ce qui se passe. Ah, j'aurais pu directement passer par là en fait. Là, il y a un code. Ah, mais je connais pas le code, c'est con. Il est pas inscrit sur des murs. Bon, allez, hop. Ah, ça sent Gollum, ça. Ah,
merci. Connard. La lumière va s'éteindre. Sinon c'est pas drôle. Mon Dieu, que j'ai peur. Salut. Vieil escalier de la prison. Très bien. Ouais, Gollum! What the fuck is that shit? Oh là là. Non mais c'est une blague, c'est qu'il y a vraiment des mecs qui existent quoi. Oh la putain. Il meurt pas? Monte là! Wow! My God! Mais quel PD! Putain de sa mère! Mais bouge! Ah, c'est stressant. Bon, écoutez les amis, on va s'arrêter sur cette mort divine et sur cette mort divine et religieuse. Non, je rigole, absolument pas. J'espère que cet épisode vous aura plu. Attendez, hop, parce qu'il fait plus très jour. Voilà. Bon, je sais pas si ça fait un peu plus jour. J'espère que cet épisode 8 vous aura plu, les amis. On commence un petit peu à avoir le bout, j'ai l'impression. C'est tant mieux et tant pis, parce que du coup ça veut dire que ça va bientôt être la fin de notre let's play. Mais bon, on n'y est pas encore. Je vais juste, on va faire charger la dernière sauvegarde. Oui, juste voir où on en est. J'espère que cet épisode 8 vous aura plu. D'accord, on en est là. On en est là. Bon, ça sera, bon, ce sera bon hein, pour la reprise de l'épisode 9. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et je voulais garder ce petit message. Merci à vous tous. On est arrivé au stade des 280 abonnés sur la chaîne. J'avais jamais atteint ce stade-là. Souvent, c'était 279 et hop, ça redescendait à 277. Donc, merci à vous tous, les amis. Je sais que c'est pas simple de suivre un petit youtubeur. C'est vrai que quand il y a plus de gens, on se dit ah, mais lui, il est connu. Bon, bah, on va voir ce qu'il va faire et tout. Et c'est vrai que c'est dur, mais il en faut bien des premiers abonnés qui s'abonnent à ma chaîne. Et en tout cas, je voulais vraiment tous vous remercier, les 280 et tous les viewers que vous êtes. Merci à vous tous, ça me fait vraiment très chaud au cœur. J'espère que cet épisode-là vous aura plu, les amis. On se retrouve bientôt pour l'épisode 9. N'oubliez pas de me suivre sur Twitter et sur la page Facebook. Je vous donnerai tout dans la description comme d'habitude. Merci à tous les amis d'avoir regardé cette vidéo. C'était Sharkler, bye tout le monde.